Salut à tous, Tonton Fred pour TechSoundVap, une petite vidéo rapide concernant le mois de bilan du mois de juillet et quelques informations sur les sujets du mois d'août. Donc pour le mois de juillet, c'était un mois très très calme, c'est peu que de le dire, parce que c'est l'été. Et voilà où nous en sommes pour la période 28 juin, 27 juillet, enfin 28-28. Donc en gros, on a 327 téléchargements pour Maté, 130 pour Openbox et 125 pour Deepin, et 107 téléchargements en torrent. C'est vrai, c'est l'été, donc ça nous fait un total de voilà, un peu moins de 700 téléchargements. C'est l'été, c'est la période de creuse après tout. Et puis mieux vaut aller à la plage pour draguer que d'être devant son écran pour geeker. Voilà, donc ça simplement c'est pour vous dire à peu près où on en est. On a atteint un creux annuel. C'est vrai que l'été c'est très tout le monde est devant son écran en train de transpirer des litres d'eau, donc c'est pour ça. Deuxième point, ça c'est le premier point. Deuxième point, les ISO du mois d'août. On est en train de les bêta-tester. Comme il n'y a pas eu grand-chose au mois de juillet et que tout semble fonctionner, mis à part un tout petit bug dans Deepin, sur une vidéo que j'ai faite où on voyait il y avait un petit problème par rapport à l'affichage, mais ça c'était corrigé. Rien! Que dalle! Nada! Autant dire que c'est calme. Ce truc qui a vraiment bougé par rapport, bien sûr, au projet TuxenVap, c'est les contributions faites d'abord par Mozi, pour les fonds d'écran, pour les contributions faites pour les fonds d'écran d'abord par Mozi, puis par Rucci, Nicolas, Filériou, pas pourquoi j'appelle Nicolas, Filériou et Zeblemman. Merci à tous les quatre. Ça nous fait une vingtaine, même parlons d'une trentaine de fonds d'écran complémentaires. On va tout faire pour les rendre à disposition d'ici fin juillet, début août. Date de sortie de nouvelle ISO. Voilà. Ça permettra comme ça aux, dirons-nous, personnes qui ont des problèmes pour uriner chaudement d'avoir d'autres fonds d'écran. Voilà, ça c'est dit. J'aurais bien sorti un fond d'écran un peu, dirons-nous, ironique, mais non. Ne rajoute pas d'huile sur le feu. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Les images ISO, c'est en cours de bêta test. Si vous voulez donner un coup de main, vous êtes les bienvenus. Merci aux contributeurs pour les fonds d'écran et à très bientôt pour l'annonce de la sortie des images ISO. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!